Bonjour à toutes et à tous les Casemars, je suis le juge, celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur vos pauvres personnes. Et actuellement, on m'attendait pour partir en direction du dirigeable où se passe la suite du scénario, le dirigeable de poids. C'est parti. Et on passe en mode cinématique. Un dirigeable de poids. Du coup, on y a été en montgolfière, si j'ai bien compris. C'est sympa. Alors, petite précision, mais le baron, donc le méchant de l'histoire, maintenant sait qu'un petit enfant fout le bordel, donc probablement qu'on va avoir la police sur le dos, ou les gardes, ou un truc. Quelqu'un nous a attrapé, par contre, je sais pas qui. Oh, c'est trop bizarre, c'est des cheminées. What? C'est un double dirigeable! Mais c'est bon, les niveaux sont toujours plus grands. Je rappelle que j'ai payé ce jeu 1€ ou moins. Donc vous avez largement de quoi vous faire plaisir en sachant que ce jeu est rejouable à mort entre les différentes façons de gérer les phases et les farces et les collections, bien sûr. Ces brutes nous disent toujours quoi faire! Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Au secours, je dois assister à une conférence! Ce niveau a l'air monstrueux. Détourne l'attention des brutes. Mais ça a l'air bien. Non, c'est vrai, hein? Ce niveau a l'air trop marrant. Quatrième VOD sur le jeu. Ça se passe toujours bien, jusque-là. Ils ont l'air méga vénères, les frères Brutus. Alors peut-être qu'on peut les contrôler. Alors, j'ai cru comprendre que maintenant il y avait des nouvelles tailles de poupées. Donc va falloir faire un truc. Mais what? C'est encore un de la famille de Hans? Ou alors les Hans c'est la famille en elle-même? Arrête ça, tu salis tout! Alors je vérifie quand même, mais... Hey, toi, camembert, j'arrive! Hein? Et toi, camembert, j'arrive! Et toi, camembert! Ok, ok. Bon, j'ai réussi à tirer le premier, si j'ai bien compris. Et toi, camembert? Mais camembert... Pourquoi il l'appelle camembert? Camembert. The camembert. Et du coup, on a le chef Quisto qui est là. Maqué. Ok. Fille aux épices. C'est reparti. On fout le bordel. Tout le monde éternue. Acham. Bon, je prends pas le temps de mettre le mode cinématique, hein, parce que ça dure une demi-seconde. Hans le retour. Ah non, mais... Maintenant, je l'ai bien compris, hein. Hans, c'est le personnage qu'on va retrouver dans tous les niveaux. Ou les Hans, parce que c'est peut-être les Hans, en fait, la famille. Ah, par contre, attends, j'ai pas été assez rapide. Donc on va, hop, se remboîter très vite. Et on va mélanger la pâte. Parce que nous, on aime mélanger la pâte. Voilà. Et du coup, à partir de là... Voilà, yes! Mes jolis ont été éloignés, je suis libre! Prends le contrôle. Ok. Oh, c'est une famille! Ambassadeur. Alors, est-ce que l'ambassadeur a le pouvoir de s'en aller comme il veut? Parce qu'après tout, il était gardé. Donc peut-être que non. Il est coincé ici, tout comme toi. Qui ça? Où sont ces brutes? Ils sont censés vous surveiller. Vous ne partez pas d'ici, ambassadeur. Le baron ne veut pas que vous participiez à la conférence. D'accord. Rassemblez les troupes. Oh là là! Oh, ça sent le pouvoir de mutinerie. Allons-y, mes amis! Battons-nous! Aux armes! Une conférence au sommet! C'est génial! Oh, ils l'ont retourné, le chef! Bon travail, petit! Maintenant, tu vas pouvoir m'aider à libérer tous les autres! Monsieur l'ambassadeur, vous vous êtes cogné la tête, c'est de la folie! Oui, je ne lui fais plus sa voix aiguë, c'est vrai. C'est vrai, le dirigeable accueille une conférence au cours de laquelle 5 ambassadeurs vont tenter de mettre fin au travail des enfants. Ah, d'accord. Il est temps que les adultes fassent quelque chose. C'est bien, c'est très bien. En effet, mon petit, mais le vil baron a tendu un piège aux autres ambassadeurs pour les empêcher d'assister à la conférence. Le baron est malhonnête, mais je suis sûr que je peux libérer. Fais vite, je t'en prie, la conférence a lieu en ce moment même. Donc en gros, l'ambassadeur, il va faire diversion pendant que Charles Lee va libérer les petits.
Influence, l'issue de la conférence. D'accord, donc c'est les ambassadeurs par taille. Et on a déverrouillé une nouvelle taille, je crois, hein, parce que le grand moustachu blond, là, je crois pas qu'on l'avait, sa taille, à lui. Le baron retient les ambassadeurs prisonniers pour les empêcher d'assister à la conférence. Trouvez tous les ambassadeurs et libérez-les afin qu'ils puissent influencer l'issue de la conférence et mettre fin au travail forcé des enfants définitivement. Oui! Alors, juste par contre, je prends Hans, parce que Hans, c'est la vie. Hans, c'est la liberté. Et Hans, c'est le pouvoir. Et l'ambassadeur n'est pas là. Les portails ont été ouverts. Ce qui veut dire que je peux revenir les chercher si j'en ai envie. Arrêtez! Si je dois vous supporter, taisez-vous au moins! Ce respect. Mais ah, par contre, attends, je regarde un truc. C'est ça, hein? C'est encore une taille au-dessus, le chef. Ouais. Stylé, stylé! J'adore! Trop marrant. Et du coup, je réduis vite fait. L'objectif, on l'a. Les archives, on les a. Les farces, on les a du coup. Malcolm, le petit farceur. Non! C'est le Malcolm de la série? Aucun rapport. Par contre, plus on avance, plus il y a de poupées. Hein? Donc à un moment, il va falloir se calmer, les développeurs. Moi j'ai pas le pouvoir infini de pouvoir tout faire. Oh! Yeah, mes yeux. En plus, je peux le prendre en photo. Non, je peux prendre le contrôle, pardon. Attendez. Parce que c'est une soirée. Il y a pas mal de gens influents. Il y a des mimes, trop bien. Il y avait un gars que je pouvais contrôler. C'est qui? Toi. Ok, toi. Yes, j'ai le photographe. Alors le photographe, à tous les coups, il peut... What? Il peut faire diversion. Mais elle est énorme. Waouh. C'est impressionnant. Je suis sûr qu'on peut prendre des photos et influencer tout le monde. Oh, attends. Si ça se trouve, on peut même carrément... A tree. Non, voilà. Il en avait déjà 3, donc ça n'a aucun sens. Je me promène, hein, je découvre, je vois les possibilités, je vois ce que me propose le terrain. C'est vachement sombre, par contre, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, c'est terrible. Parce que vraiment, là, en termes de lumière, je suis pas mal, mais fou, il y en a beaucoup. Le seuil nordique. C'est bon, j'ai mis un coup de boule. Dum. Oh, mais c'est ça. Je mets des coups de boule! Zbom! Trop marrant! J'adore! Comme bien! Qui est lui? Mec de la garde! Ok, alors monsieur pouvait mettre des coups de boule. Je peux mettre des coups de boule à une star? Boom! Ok. Mais je suis une star! Non, elle c'est plutôt. Désolé pour vos petites oreilles! Nous sommes à la cinquième taille de la poupée russe. Problème. Ok. Ça va. Heureusement, ils ont géré le son, mais... Fouh, ça faisait peur. Putain, mais je suis tellement énorme. Allez, continue de photographier le vide. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Cette petite animation de fleurs, c'est elle? Elle pète des fleurs. Utilisez un pot pourri. Quand j'ai dit elle pète des fleurs, je voulais dire n'importe quoi, mais elle pète vraiment des fleurs. C'est génial! Elle pète des fleurs! Aïe aïe aïe. Pardon. Oh! Oh, ce chapeau! Non, mais parce que du coup j'étais en train de m'étouffer à moitié en même temps. Elle pète vraiment des fleurs! 26% du jeu, c'est peu, hein. Comment ça 26% du jeu? C'était marqué? J'ai pas fait gaffe. Ah, pourcentage de progression. Ah, c'est ça. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Ah, je suis à 27%. Ah oui, d'accord. Bah, c'est peu, mais tu vois, en 4 épisodes, ça prouve déjà que le jeu n'est pas long. Par contre, oui. Oui, il y a plein de choses à faire. Les gars du baron m'ont coincé derrière cet abominable nuage mal aux dents. Alors par contre, la facilité dans ce niveau, je remarque, c'est qu'apparemment, tout n'est que couloir. Donc ça a l'air d'être bien pratique. Alors, je pense qu'on peut pas passer. Je pense qu'il s'en bat les couilles. Donc je pense que je vais le contrôler pour le rajouter à ma collection. Ah, pas du tout.
Le mime, on s'en balarait aussi. Le garde, au secours, l'ambassadeur est pris au piège. D'accord, donc lui est de son côté. Ok, bah j'ai eu que oui, tout à fait, tout à fait. Et vous avez pas du personnel qualifié? Parce que c'est quand même un gamin qui sauve la situation. Oh, c'est pas la même ambiance là. J'twink, j'twink, et j'twink. Alors, réparer quoi? Il n'y a rien à réparer ici. Il n'y a rien à réparer ici. Oh! Ça. Superbe. Maquet. Oh! Un tonneau. Ok. Allez, de production. Dépressurisé. J'allais dire, ça va faire l'effet d'un vieux prout, mais oui. C'est génial. Alors, attends. Voyons voir. C'est bon, j'y vais. On y va. Attends, quoi? Non, me dis pas que c'était un bouton à appuyer. Je sais qu'il me faut. Je sais qu'il me faut. Il me faut le nordique. Celui qui met des coups de boule. Il me faut un gars qui puisse mettre des coups de boule. Ah, ou alors. Attends, tu sais quoi? On va essayer les deux. Bah non, non, non. J'allais dire c'est coups de boule et pour. Quoi, c'est coups de boule? Attends, parce que je pensais à quelqu'un d'autre. En fait, je pensais à la chanteuse. Mais je peux pas y aller. Attends. Parce que là, je peux pas passer les vapeurs. Évacuer le gaz et libérer l'ambassadeur. Oui, non, mais d'accord. Mais là, je peux pas passer. Avec elle. Et ni avec l'autre. T'en fais pas. Ah non, 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 elle peut pas passer. Et du coup, on revient juste devant. Alors, peut-être que, par contre, je peux briser le carreau d'ici. J'y crois pas, mais... Oh, elle a inspiré ! La violence ! Je pensais qu'elle allait briser le carreau et qu'ensuite, je pourrais aller le chercher. Oh, il y a le juge. Messieurs, l'exploitation des enfants est difficile à organiser et n'entendra que blabla et je sais pas trop quoi. Ok, donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bien. Alors, par contre, du coup... Eh, du coup, je sais pas trop, hein. Du coup, je sais pas trop. Parce que là, on est toujours sur un truc qui m'empêche de... Ah, peut-être que je peux briser le verre avec ça. Peut-être. Gouja. Bouge. Ça. Ok, donc peut-être que l'autre avec son soin de soin, il peut appuyer sur le bouton. Et donc de ce fait, libérer le bassadeur qui devait être là. Eh ben je suis déçu, ça ne marche pas. Tant pis. On aura fait la méthode numéro 1. On dépressurise. Ok, alors par contre, je sais pas à quoi ça sert de faire ça, mais je peux le faire. Alors, je vais quand même prendre la combinaison pour aller en bas. Alors, salle haute en allant en bas. C'est pas un problème. Un coup de sac à main. Attends, bien joué. C'est qui a eu l'idée? Alina. Attends. Oui, c'est vrai, en plus, j'ai eu la deuxième méthode, j'ai pas eu la première. Hein. C'est vrai. Attends. Oh, bien! Mais oui, excellent. Je pense que c'était celle-là la première. Même pas, on a eu la quatrième. Et bah bien joué. Bien joué. Ça c'est fait. Et c'est cool, y a pas de microbe. Microbe. Et microbe. Je dois être dans une zone d'envol pour voler. D'accord. On va prendre des personnages variés. Et on va prendre la combinaison. Je pense que ça va permettre de faire des choses, ça. Allez, allons à la salle haute qui se trouve en bas. Ah mais Alina, elle est trop forte. Alina va peut-être passer modo aussi, parce que c'est vrai qu'elle se débrouille bien. Hein. Oh, il y avait un boxeur. What? Il y en a un pan.
Les gardes du baron m'ont enfermé ici. C'est la troisième. On rappelle qu'il y en a 5 à libérer. Mission Splinter Cell. J'adore les dragons. Très bien. Le dragon détestait les gosses. Il était très méchant. C'est un film ? Non, c'est pas un film. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? J'aime pas cette histoire. Un jour, le dragon mangea tous les enfants du royaume pour avoir la paix. Oh, voilà une idée qui est bonne. Ah, c'est ça en fait, je dépressurise réellement. Mais alors pourquoi ? Peut-être que je peux faire un coma à un moment. Je sais pas. Donc là, on a le boxeur. L'un d'entre vous serait-il assez téméraire pour avoir le courage de m'affronter ? Mais alors, quelqu'un qui fait sa taille du coup. Attends, comment je peux aller le voir ? On va aller chercher la dame. Je sais plus comment ça s'appelle. Les chanteuses qui chantent très très fort là. Ah, comment ça s'appelle ? Chanteuse d'opéra là. Elle. Ah, vous aviez compris, mais je sais pas comment on t'appelle ça. Bon, c'est une diva. On dit que c'est une diva. Hein. Allez. Cantatrice. Oui, mais c'est pas le nom que je cherchais. Bon, après, c'est peut-être une diva que ça s'appelle. On dit quoi ? On dit un ténor ? Et comment on dit les femmes ? Excusez-moi. La manutention, c'est mon métier, madame. Et en tant que catcheur, je ne ferai jamais de mal à une femme. La force extraordinaire de mes mains est assez utile. Vous avez peut-être un pot à ouvrir, un feu à entretenir, un poulet à étrangler. La manutention, c'est mon métier. Alors, il y a peut-être un moyen de le récup. Pour pouvoir l'avoir. Attends, parce que si ça se trouve... En fait, il faut le prendre en photo. Ça l'aveugle. Non, ça l'aveugle pas. Eh ben, je ne sais pas. On dépressurise. Je pense qu'il faut ses muscles. Hein, pour ouvrir la porte. Je ne sais pas trop. Il y a quoi par là? Oh, il y a un noyau. Ouais. Ah! Il y a des dirigeants. Très bien. Non, attends. Si, c'est là. C'est là. C'est les ambassadeurs. Ouais. On a dit, on est au centre, là. Ah, c'est ça. On est au centre. On est au centre, et à mon avis, potentiellement, les autres personnages à libérer doivent être par là-bas. Donc, j'ai rien dit, en fait. C'est aussi une zone ouverte et un peu... Enfin, si. C'est quand même des couloirs, donc c'est plus simple. Mais pas autant que ce qu'on croit. Y'a quoi, là ? Attends. Là, y'a quoi ? Bonjour ? Oula. Viens ici avant toi. Ah, j'ai paniqué. Allez petit, le baron a des projets pour toi. Non. C'était scénarisé. Ah, oh, c'était scénarisé. Et il y avait un ambassadeur. Ah bah j'ai bien fait de venir. Je dois vite sortir d'ici. Si tu parviens à sortir, ça détournera l'attention du garde pour que je puisse m'enfuir. Les gardes du baron ne sont pas des lumières. Oh, ça parle mal en plus. Essaye de trouver une poupée nordique pour sonner sa cloche. Bien ça, Dark Wolf. Bien. Je crois qu'il m'a donné un indice en fait. Évade-toi du cachot. Eh bien, allons-y. Oui, du coup, après, on ira s'occuper du catcheur. Parce que moi je disais boxeur, mais il me semblait que c'était des boxeurs, pas des catcheurs. Enfin bon. Après, je pense que le jeu a plus présent que moi, mais. Chip, agent de divertissement. C'est-à-dire. Effectivement. Et toi ? Toi, t'es pompier. Capitaine des pompiers. Oh, je peux éteindre l'eau ? L'eau. Oui, je peux éteindre l'eau, tout à fait. Oh, super. Passage secret. Attends, juste par contre, voilà. Merci de ne pas me mouiller pendant 3 heures. Je regarde un petit peu. Regard perspicace. Ah, c'est un œil de lynx. Excellent. Le baron voudrait l'interroger. Ouais. Alors, je peux pas prendre l'ambassadeur, on est d'accord. Hein. Non, je peux pas. Oh, ça s'est rallumé. Magie du diable. Magie du diable. En avant. Oula. Attends, je suis où là?
Je suis dans une partie autorisée ou pas? J'ai un doute. Ah, yadadadada. Cet avorton est un petit malin. Où est-ce qu'il est passé? Donc là, j'ai trouvé un moyen sur trois de m'évader. La conférence doit déjà être à moitié terminée, il faut se hâter. Le travail des enfants est inefficace. Ils vont sans arrêt aux toilettes. Il faut toujours leur fournir des uniformes plus grands et plus petits. C'est horrible. C'est ça les arguments? C'est pourri. Ah la vache. Pardon. Alors du coup, je cherche quelqu'un à ma taille, enfin à ma taille, à la taille du dessus, pour éviter les problèmes, mais il y en a partout. En fait, ils s'en battent l'arrêt ici de moi. C'est pas eux qui veulent me chercher des noix, c'est encore ceux du dessus. Olé. Ok. Olé. Ok. Olé. Ok. Et, attends, je peux le prendre? Non, trop grand. Trop grand. Il me faut la taille juste du dessus. Je me demande si l'autre là-bas, il est pas à la bonne taille. Parce que du coup, peut-être que le fait de prendre le méchant et d'ouvrir la porte fait partie des solutions. Intéressant. Poupée recherchée. Mais c'est pas vrai! Cet avorton s'est échappé! Le baron ne tolérera pas cette bavure! Je vais alerter les gardes et envoyer les patrouilles, monsieur! On a un problème. Affiché partout! Quelqu'un l'a forcément vu! Oui, chef! Alors, vous êtes recherché, le baron en a après toi. Les gardes sont sur le qui-vive et recherchent activement Charlie. Va plus vite qu'eux ou cache-toi dans une autre poupée pour leur échapper s'ils te repèrent. Du coup, s'ils me repèrent, ils me refoutent dans la tôle. Ah non, c'est chiant par contre. Ah oui, non, c'est chiant. Ah ah, regardez qui y a là. Sbum. Oh, ok. Do you do la musique? Ma, yo yo do la musique. 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 Ok. Ah, attendez. Juste, j'aimerais savoir si je peux prendre le contrôle du gars de la porte. Alors, bien ou bien ce jeu? Parce que là, on commence à avoir un petit avis. Ah, je peux pas du tout. Sbum! D'accord. J'ai rien fait, c'est pas moi! Ah, effectivement. Il y a une affiche. Alors, les affiches qui ressemblent à des paquets de farine, mais. Voilà. Je peux tomber. Je peux pas tomber. Heureusement. Ne pas nourrir. Ne pas nourrir non plus. Voyons voir. Voyons voir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Tout peut arriver dans cette course, mesdames et messieurs. Regardez ces chiens courir. Ils courent dans le ciel. Pourquoi? Il y a un ambassadeur. À l'aide! Nous ne sommes qu'à la deuxième heure d'une course de 24 heures. D'accord. C'est pété. Et ces décors qui sont arrangés avec des balles de golf. Excellent. Y'a pas de perso unique. Oh, what? Toute mon équipe de production a disparu. Mais c'est génial. Oh, la fameuse famille a complété. Ok, je vous le rappelle, nous avons qu'un seul objectif à chaque fois, c'est de trouver les familles à compléter. Et action! Ok, donc elle fait partie du projet. Donc attends, parce qu'elle coince. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Ok, j'en ai 2 sur 5. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Ah, il y a une tyrolienne. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'est bien. C'est vachement bien. Du coup, on gagne tellement de temps. Question, est-ce que les mimes font partie du projet? Pas du tout. Zipiti Douda, utiliser la tyrolienne 3 fois. Ben parfait, de toute façon, je pense que je vais m'en servir rapidement puisqu'il faut que je retourne de l'autre côté après. Je regarde juste s'il n'y a pas un perso à récupérer ici. En fait, je cherche des persos qui me regardent ou qui m'appellent. Parce que techniquement, moi comme ça, là, je vois pas... Oula. Je vois pas qui peut faire partie du projet. Là, c'était l'intro, je me rappelle, hein, vous inquiétez pas, don't panic. Je regarde juste s'il n'y a pas quelqu'un qui fait partie du projet. Putain, mais je suis énorme.
par rapport au tout début. Là, je suis grand. J'ai même l'air carrément plus grand que le chef. Eh. Enfin, le chef qui avait en bas. Celui qui s'est fait ligoter. Eh ben. Je vais aller regarder très vague. Oh, attends. Madame Prout. Excusez-moi. Bon, d'accord. Action! D'accord. Ok. J'ai énervé le serveur. C'est pour ça. Non, bah dans le coin, il y a personne pour m'aider. Tant pis. Allez, on progresse. C'est reparti! Wouhou! Et de deux! Sur trois. Normalement. 2 sur 3. Zipitidouda. Je cherche mes persos liés au scénario de cette famille. Arrêtez la voiture des soufflés et libérer l'ambassadeur. Alors oui, comment je vais faire pour arrêter ça au passage? Aucune idée. Alors autant on a une petite idée pour aller chercher l'ambassadrice qui est dans sa salle là. Avec le boxeur. Le mécanisme d'ouverture de la porte m'a l'air en bon état. Il y a quelqu'un en dessous? Non. Ah, peut-être. Mais de l'autre côté. En dessous de l'autre côté. Oui, oui, c'est logique. Bah oui, il veut bien des ingénieurs ou des gens qui bossent. Hein. Ah! Le ciel soit levé, je vous ai trouvé! Yay! C'est toi que j'ai cherché! Voilà! Et, olé! Ok. Il me reste deux. Ils vendent des bananes. T'es avec moi, toi? Attends. Oui! Oui, je les trouve tous! Allez, pousse-toi. 1, 2, 3, 4. Super. Par contre, pour le dernier, ça va être dur. À moins réellement qu'ils soient sur la route. Alors, ils sont en pseudo noir et blanc. Donc, chercher quelqu'un de pseudo noir et blanc. Oh, mais quoi? T'es dans ma famille? Ah bon? Attends. Attends, non, t'es pas dans la famille. Non, il est pas dans la famille, je crois. Fais voir. Je suis acteur, réalisateur et porteur de drapeau. Je suis très doué avec mes bras, je peux acheter des objets grâce. Accordez-moi un essai, je vous décevrai pas. Je suis acteur. Oui. Vas-y. Action. Du coup, il va couper la course. Oh, c'est ça, c'est tellement génial. Je dois faire vite si je veux aider les enfants. Ok, il manque l'ambassadrice. Le travail des enfants est dangereux, n'oublions pas la révolte des biscuits de l'an passé, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Non. Et bah voilà, on a arrêté la voiture. Oula, cache-toi, il me faut un perso. Cache-toi vite. Je rappelle que j'ai des gens qui sont à ma poursuite. Hop là. Disparo. Comme des palmaillis. Alors. Il me reste un enfant à trouver. Tout petit. Petit. C'est toi? Non, c'est pas toi. Si, attends. C'est lui? Ah, c'est lui. Mais non! T'es minuscule! Mais oui! C'est lui! C'est une victoire! On a toute la famille! Oui! Complainte du poète. Objectif complete. Du coup, on peut tranquillement finir le niveau. Pour ne pas vous mentir, si je joue cette scène, c'est dans le but d'instruire ceux qui en valent la peine. Génial, champion, c'est super! C'est maintenant que je meurs! Attends le signal, ma chérie! En place, tout le monde! Ah, et du coup, c'est la femme, mais elle est minuscule! Action! C'était sûr. Oh, parle encore, cher ange, car tu es... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle débloque? Ça ne va pas, c'est mal texte! Il faut surprendre le public, Maquet! On a avancé un peu la scène de la mort! Assez de mascarade, je ne resterai point! Vous êtes dans la panade, je reprends mon chemin! Ma! Et c'est une fin. J'étais comment?
Tu étais formidable. Coupé. Génial, juste génial, voilà. Bon, bah je suis bien content, on a eu notre famille. Maintenant, vite, trouvons un costume des camouflailles. Un costume de camouflaille, c'est bon. Donc, j'avais mon costume de camouflaille. Il me fallait le nordique, parce que quelqu'un avait eu la supposition, Darkwolf je crois. Ouais, c'est ça. Darkwolf a eu la supposition d'aller voir... le catcheur avec le nordique. Alors je retourne par là pour une bonne raison, parce que je sais pas si j'ai tout fait. D'ailleurs, ah oui, j'ai fait une farce, mais il y avait une autre farce à faire. Alors toi, c'est bon, je t'ai arrêté. Ah, je pourrais peut-être faire ça aussi. Tout peut arriver dans cette course. Bah oui, mais ah, d'accord. Boom, coup de boule. Voilà, ça aussi ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, peut-être qu'il y avait moyen d'arrêter la course avec un ingénieur. Alors je ne le ferai pas, parce que sinon l'épisode sera beaucoup trop long. Mais voilà, sachez qu'on avait une idée de la technique. C'est moi ou c'est un tremplin qui aurait pu permettre de foncer dans le décor. Oh mais what? Du coup il joue la pièce. C'est génial. C'est génial, je... voilà, c'est tout. Comprenez bien que ce jeu est génial. Voilà, c'est à peu près tout. On va repasser par là, comme ça j'aurai la tyrolienne et en plus comme ça je sais à peu près où je vais. Parce que pour le reste je suis un peu perdu. Donc c'est compliqué. Voilà. Je suis le premier nordique dans le ciel. C'est faux, totalement faux. Ils font des rimes. Mais oui, c'était génial. Zipiti Douda. J'ai fait une farce. Mais du coup j'ai pas obtenu l'or. Ah mais si, attends. Lui, il a obtenu l'or. Et oui. Lui il a un chapeau en or. La classe. C'est aussi ça la classe, c'est d'arriver à la première place. Allez, on va voir si vos théories fonctionnent. Sont-elles fumantes ou sont-elles bonnes? Mais, ni, est-ce qu'il y a une de mes fesses? En plus, j'ai pas bien fouillé ici. Hein. Parce que regardez, il y a même un truc avec l'ingénieur et tout. Hein. En fait, je suis un peu passé rapidement ici. Pourquoi d'ailleurs? Attends. Comment j'ai fait? Ah oui, donc ça c'est la suite. Je vais même pas aller voir ce qu'il y avait là. Attendez, hein, je regarde. Parce que là je vois des cahuètes. Enfin des cahuètes, c'était des maïs. Et je pense qu'avec les maïs, il y a peut-être des trucs. Madame Maha, je rentre en vous. Ok, 14 sur 24. L'air de rien, hein. L'air de rien, on en prend. Hein. Des poupées. Ça avance. C'est dur mais ça avance. Voyons voir. Qu'est-ce que... Marqué. Il a un tout petit nounours. Il s'appelle Tad. C'est un gamin. Il est mignon, il a un nounours. Ok, super. On voit la porte libérer l'ambassadeur. Attends, j'arrive. Oui. J'imagine se taper la tête contre le tuyau. Alors, il y avait probablement un truc à faire avec cet oiseau. Je réfléchis. Est-ce qu'un photographe pourrait pas genre l'aveugler? L'énerver, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que il faudrait pas... Est-ce qu'il faudrait pas prendre un gars qui puisse s'envoler? Je sais pas trop. Salut Frags! Prends le pan. Alors, on va essayer de prendre le pan, du coup. Mais parce que moi aussi, je t'ai intéressé. Mais par contre, pour prendre le pan, on remarquera que c'est pas évident... On va essayer le coup de la photo. Oh mais attends, non. Elle est habillée en pan. Bah oui, c'est la clé. Attends, on est bête. C'est Madame Pan. Elle s'appelle Portia Pan. Portia Pan, Portia Pan. Ah mais oui. On va quand même essayer le coup du catcher boxeur là. Avec le nordique. Il est où? Oh, il est là. Attendez. Reste en mode cinématique parce qu'à mon avis, on en a pas pour longtemps. Voler vers le nid. Oui. Et ensuite. Wouhou. Sous ballon. Ah. Ingénieur. Super. Libérer la grosse dame. Enfin, la grande dame. Pardon. Et voilà. Et c'est une victoire incroyable. Elle a écrasé Hans.
La conférence touche à sa fin, vite! Il faut sauver les enfants! Oula! Messieurs, la vérité irréfutable est que le travail des enfants pèse sur les épaules de notre avenir! Il faut les libérer! C'est beau! Elle est arrivée, elle a mis le coup de grâce! La vengeance des poissons. Des poissons? La conférence est terminée. À compter de ce jour, tous les enfants sont libres. Youpi! Youpi! Pendant ce temps, sur les ponts inférieurs... C'est le moment de lancer le plan de secours du baron. Lâchez les poissons! Mais what? C'est quoi le délire des poissons? What? C'est pour qu'on se fasse attaquer par les mouettes? Non! Alors peut-être que ça veut dire aussi que le dirigeable sera accessible depuis le train, ce qui n'a aucun sens, mais... Retour dans la salle de conférence. Pendant ce temps-là... Cette fripouille nous a tous condamnés! L'appareil ne peut supporter le poids des oiseaux! Ah, oui, donc c'est ça, en fait. Il veut vraiment cracher le vaisseau. Charlie! Abigail, tu es libre! Salut, Winter! Oui, mais nous devons agir vite pour empêcher le dirigeable de s'écraser. Charlie, rassemble tous les ambassadeurs et suis-moi vite! Alors, oulala, oulala, oulala! En quoi les ambassadeurs ils vont aider? J'ai cru que j'étais dans une phase super scénarisée. What? Attends. Il y a un peu plus d'ambassadeurs que prévu. Attends. Du coup, il y a plein de persos là qui se déverrouillent. Attends, c'est qui les papiers, les mamies là? Oh, je peux pas sortir! Non! Ah d'accord, et en fait je peux juste pas les prendre parce que c'est les spectateurs. On doit ouvrir l'issue de secours maintenant. Mais what? C'est trop marrant. Ce petit coup de scénario est fou. Hein? Ah, j'ai cru que c'était la cage à oiseaux, la porte de secours. C'est ça? Sortie de secours. La clé de la ville, qui permet aussi d'ouvrir ça. On va savoir pourquoi. Vite! Monsieur l'ambassadeur utilise ses clés et fait je sais pas trop quoi. Vas-y, ce scénario. Ah! On parle quand même de poupées russes qui aiment se rentrer dedans, s'emboîter pour faire des choses incroyables quand même. Hein. Attends, je peux parler à ce monsieur? Nous devons emmener les ambassadeurs dans la salle des soufflés. D'accord? Eh ben allons-y. En avant! C'est la salle des soufflés? Tout le monde sur les soufflets, il faut attiser le feu pour avoir plus de puissance. D'accord. Attends. Ah, ok. Oh là. Ok. Vive les ambassadeurs! Vive la République! Vive les pays conjoints! Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a un microscopique! Actionne! Vas-y! Ça ne suffit pas, Charlie, c'est le dernier petit soufflet! J'y suis! À l'humanité! Wouh! On est sauvés! Mais c'était juste. Et du coup, maintenant, on est tellement bas qu'on aura à nouveau accès au dirigeable. Retour dans la salle des soufflets. Yes. Charlie, on a réussi. On a empêché le dirigeable de s'écraser. Oui. Je suis si content que tu ailles bien, Abby. J'espère que notre frère Archibald sera quelque part dans ce dirigeable. C'était sûr. Il a été emmené sur le nouveau train à 3 étages du baron. Alors techniquement, il doit rester 2 niveaux maintenant. Mais le travail des enfants a été interdit, il va peut-être être libre. Oh Charlie, j'aimerais que tu aies raison. Malheureusement, je pense que tout ça va pousser le baron à tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Alors je vais le trouver, Abby. Va voir maman et dis-lui que je maîtrise la situation. Ce scénar. J'adore. Et c'est une victoire encore une fois. Zeppelin sauvé. Tu as sauvé le dirigeable et réussi à influencer l'issue de la conférence. Grâce à tes exploits, ta sœur et les autres enfants n'auront plus à travailler dur. Tu peux rester ici pour plus d'aventures ou retourner à la gare pour aller chercher ton petit frère, enfin ton grand frère plutôt, Archibald. Même si techniquement, tu es le plus petit de la famille,
Tu es celui qui est le plus grand en cœur et en justice. Oh mon dieu, défi bonus! Nous avons obtenu les défis bonus! Et c'est un truc de malade! What the fuck? Mais ils sont géants! C'est incroyable, incroyable. Bon, messieurs, dames, je pense que cette VOD sera probablement la plus longue avec celle du bateau, donc la deuxième. On a bien avancé aujourd'hui, je suis très 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 content. Je pense qu'on va au moins faire une pause ici pour le jeu. Peut-être qu'on reviendra plus tard, peut-être qu'on ne reviendra pas avant demain ou après-demain en live. En tout cas, un truc est sûr, Stalking, c'est une bonne découverte et redécouverte. J'espère pour vous que ça vous fait plaisir sur Twitch et YouTube qu'on s'essaye à ce genre de jeu. Parce que moi, ça me fait aussi kiffer de faire ces trucs comme ça. Donc voilà, c'est très très bien ce qui se passe jusque-là. Réellement, hein, le gameplay, il est chouette, l'histoire est sympathique, elle est prévisible mais sympathique. Voilà quoi, de bons moments se font dans ce jeu, et encore une fois, il coûte rien. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description, parce que c'est vrai que j'ai juste d'y penser, peut-être que je ferai d'ailleurs la même pour Little Duo. Mais réellement, procurez-vous ce jeu, il vaut rien du tout. C'est même pas le prix d'une baguette, je suis sûr. Gros bisous à tous, et à très bientôt pour une VOD 5 avec pour objectif, peut-être pas de secourir encore notre grand frère, mais peut-être très bientôt de le faire. Bisous à tous, ciao tout le monde.